Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samos Pita et comme je vous avais déjà dit, vraiment, pour cette page et puis pour ce type de boost, c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité pour vous, mais j'ai fait cette vidéo pour ceux vraiment qui ont envie de chercher d'avoir une admission et payer par eux-mêmes leurs propres frais, voilà, parce que ce type de boost là, c'est pas vraiment commode, parce que c'est pas comme si c'était une boost, mais. Si je vais appeler ça comme une bourse, alors elle est partielle. Elle est pratiquement partielle. Voilà. Donc, pour ceux, c'est pour juste pour ceux qui veulent vraiment avoir un lieu où étudier et payer eux-mêmes par leurs propres frais. Voilà. Donc, ici, par exemple, vous pouvez postuler. La bourse partielle prend en compte la licence, le master et le doctorat aussi. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés, voilà, vous pouvez postuler et avoir une admission pour aller y étudier. Voilà, donc c'est cette bourse, elle est en Irlande, voilà, à l'université Gift. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, ça sera vraiment important pour vous. Donc pouvoir postuler, c'est très simple. Voilà, comme vous voyez là, il y a Apply Now. Donc vous pouvez cliquer sur Apply Now et comme je disais, vous pouvez cliquer sur Apply Now et chercher à postuler. Voilà. Ou bien je vais vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis quels sont les frais aussi à pouvoir payer pour les frais d'admission. Donc si vous venez dans Admission, voilà, il y a Undergraduate et puis il y a Fees. Ici vous allez cliquer sur Fees pour voir un peu quels sont les montants pour les étudiants internationaux, c'est-à-dire qui sont hors de l'Irlande pour pouvoir postuler. Donc ici, si vous avez bien remarqué, ici on dit Please note that the international student support fees is. Vous voyez ici, vous allez payer 300 euros pour pouvoir appliquer. C'est 300 euros. Donc vous voyez déjà, même c'est pas assez commode. 300 euros, c'est beaucoup pour une application. Donc pour pouvoir appliquer, pour que vous ayez une admission, c'est 300 euros. Et n'oubliez pas ici, lorsque vous postulez, vous ne postulez plus pour la bourse parce que la bourse, elle est additionnée en même temps et on vous envoie directement votre paiement, c'est-à-dire votre scolarité qui va s'élever peut-être pour ceux qui sont en licence, qui va s'élever à 10 000 euros parce que dans les normes, la scolarité ici, ça va de 12 000 à 15 000 euros. Donc, s'ils font des réductions, vous allez voir que vous allez vous trouver à 10 000 euros. Donc, je vais essayer comme ça de vous montrer un peu comment ça se passe. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver et aussi chercher à postuler. Comme je l'ai dit, je le répète encore, cette vidéo, c'est pas vraiment pour ceux qui veulent des bourses à 100%, non. C'est pour ceux qui veulent avoir une université en Irlande et aller étudier de leurs propres moyens. Voilà, parce que cette bourse, elle n'est pas complète. Voilà, et je vais dire même, elle est assez partielle. Donc, les documents dont vous avez besoin, c'est quoi? C'est que vous allez remplir leur demande en ligne. Voilà, vous allez présenter aussi votre diplôme et puis les notes. Et ce que je vous dis encore, c'est quoi? C'est que il y a d'abord un passeport et ensuite il y a celui-là. Voilà, ça c'est le certificat de langue. Voilà, comme je vous avais dit, le certificat de langue, si vous n'arrivez pas à avoir le TOEFL ou bien ISS, essayez de postuler avec Duolingo. Je vous ai déjà montré comment ça se passe. Duolingo, vous cliquez sur Google, vous allez pouvoir avoir cette Duolingo là. Et puis voilà, ça c'est pour ceux qui sont en licence. Voilà, les quatre éléments qui sont primordiaux. Donc maintenant, pour ceux qui sont en postdoc, postgraduate, c'est-à-dire master et puis doctorat, voici les éléments que vous devez compléter pour pouvoir postuler à l'admission et en même temps la bourse. C'est quoi? C'est de compléter leur formulaire en ligne. Voilà, le formulaire en ligne, je vais vous montrer comment ça se passe et où ça se trouve, et aussi votre diplôme aussi. Et ici, official course listing document for the partner institution if applicable. Ici, c'est pas vraiment nécessaire pour ceux que je connais. Et puis ici, English Language Provincial Certificate. Donc ici aussi, certificat de langue. Ici, votre passeport, un CV. Voilà, deux lettres de recommandation. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour pouvoir
appliquer, c'est quoi? Et n'oubliez pas aussi, pour ceux, par exemple, comme ça, ce que je voulais signifier, c'est quoi? C'est vrai. Ceux qui n'ont pas le certificat de langue et qui veulent vraiment postuler pour aller y étudier, voilà, eux aussi, ils proposent des cours de langue. Et ces cours de langue-là varient, vraiment, ça varie. Si, par exemple, vous n'êtes pas du tout bon, ça va de 15 jours, je vais dire 2 semaines, de 2 semaines à 45 jours. Donc, si vous n'êtes pas du tout bon en anglais, vous allez prendre 45 jours. Donc, ça va faire un mois, 2 semaines. Donc, les 45 jours, vous allez payer au moins 5000 euros pour pouvoir apprendre la langue. Voilà. Et ceux qui pensent qu'ils sont déjà bons, c'est-à-dire en anglais, s'ils veulent se perfectionner avant de commencer à étudier, voilà, ils peuvent choisir 15 jours et tout ça. Et c'est tout. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on va récapituler pour pouvoir postuler, pour pouvoir faire l'admission, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une admission, vous devez avoir au moins 300 euros pour pouvoir postuler. Voilà, ça c'est pour les étudiants internationaux. Donc, nous postulons, nous venons dans Apply Now. Voilà, vous allez voir comment est-ce qu'il faut postuler. Vous savez déjà les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Les documents, je vous ai déjà montré comment où ça se trouve. Et puis, en ce qui concerne la langue aussi, vous pouvez postuler sans la langue et après envoyer et après arriver là-bas, vous allez étudier d'abord la langue avant de pouvoir commencer. Pour ceux aussi qui ne sont pas assez bons, ils peuvent aussi étudier la langue avant de pouvoir commencer. Voilà, donc ici par exemple, si vous remarquez bien, il y a 4 étapes. Voilà, et vous allez remplir vos données là. Et une fois que vous remplissez vos données là, vous allez voir qu'il y aura un décalage ici. Vous allez choisir votre programme que vous voulez étudier. Ensuite, une fois que vous finissez, vous allez ajouter vos documents. Donc, je vais, comme c'est pas ces 4 étapes, je vais essayer de faire comme ça. Vous allez au moins voir un peu comment ça se passe. Donc, ici, je vais mettre comme ça mon prénom. On va voir. Je prends un prénom comme ça, comme d'habitude dans le hasard. Donc, je prends un prénom. Voilà. Puis, je mets mon nom là. Ok, donc étant donné que je viens pour par exemple la licence, je vais prendre comme si je suis né en 2003. Voilà, donc janvier 2003, je vais prendre ça comme ça. Ok, et le mail, c'est le mail qui est le plus important. Voilà, donc je vais mettre mon mail. Ok. Je sais pas si c'est le bon mail. Voilà, ok, je vais mettre mon mail que vous connaissez déjà. Ok, ok, résidence, si je suis par exemple en Côte d'Ivoire, je vais mettre Côte d'Ivoire. Si c'est en anglais, je vais devoir chercher Ivory Coast. Voilà. Ivory Coast ici. Ok, donc une fois que c'est fini, dans les normes, il doit pouvoir me faire avancer, mais il y a encore des éléments. Je vais choisir le numéro. Le numéro, je vais prendre par exemple ce qui est là. Voilà, vous voyez, ça remplit directement mes éléments parce que j'ai déjà enregistré sur Google, donc ça va un peu plus vite. Et nationalité, Côte d'Ivoire encore. Donc je répète, voilà, pour ceux qui veulent des bourses à 100%, ça ce n'est pas pour vous. Donc vous pouvez laisser cette vidéo à ceux qui veulent des admissions pour pouvoir y étudier. Donc ici, Ivorian. Are you applying to the college via the agent representing partner college? No. Voilà. C'est vous-même qui a appliqué. Donc, what type of course you are applying for? Donc, undergraduate. Donc, ici, si par exemple vous voulez étudier pour l'anglais, English language, vous allez cliquer là. Pour ceux par exemple comme ça qui n'ont pas vraiment de niveau en anglais, vous allez cliquer sur English language. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont un niveau en anglais, ils peuvent cliquer directement pour la licence. Parce que vous allez présenter votre certificat. Donc nous, on va cliquer sur English Language. Comme ça, arrivé là-bas,
on va d'abord faire l'anglais avant de commencer le cours. Donc on finit, on clique sur next. S'il y a un souci, ils vont nous dire pour qu'on puisse rectifier. Ok, donc vous voyez un peu, là on vous demande maintenant de choisir le cours 2000 Main Campus Numérique Coq. Donc on va prendre le premier. Voilà. Ok. Donc ici, English for Academic Purpose Pathway. English for Academic Purpose. Ok, what is your level ici? Level, je vais prendre par exemple ISS préparation. Ici, si vous prenez ça, ça veut dire que vous avez au moins quelque chose, mais je vais prendre ISS préparation. Do you want to start? When do you want to start? Ok, donc si on va aller par exemple le 6, 4e mois, non. Le 7, le 19, 11e mois, le 1er, 11e mois, non. Donc on va prendre le 30. Le 30, ici on a quoi? Le 1er, 11e mois. Donc on va prendre le 1er, 11e mois 2021 parce que c'est ce qui est là, c'est ce qui existe. On n'a pas le choix. Length the week. Do you require accommodation? Yes. Est-ce que vous allez dormir dans la cité? Oui. Est-ce que vous avez besoin de... Ok, choose your accommodation type. Donc residential on campus. Voilà, vous allez dormir en cité. Donc maintenant on peut avancer. S'il y a un souci, ils vont nous dire. Voilà. Donc ici on nous demande de faire quoi? On nous demande de mettre nos diplômes. Please upload your available documentation. This may include scans of your passport. Donc on va mettre notre passeport, un driving license, ça c'est pas un problème. Academy transcript and proof of English language proficiency. You can forward any missing document to admission grid at later date. Our admission team will contact you and forever. Donc ici, vous allez mettre vos documents là, voilà. Et par exemple pour ceux qui ont au moins un certificat de langue, ils peuvent aussi mettre là. Et pour ceux aussi qui ont par exemple leur passeport aussi, vous mettez là. Do you have? Donc je vais mettre un document là pour qu'ils puissent me faire avancer. Comme ça vous allez voir après ce qu'il faut pour pouvoir postuler normalement. Donc vous cliquez là pour mettre votre passeport et votre diplôme de langue. Voilà, si vous en avez, si vous avez même un diplôme de langue quelconque, vous pouvez mettre là. Comme ça, de toute façon, arriver là-bas, c'est la langue que vous partez faire d'abord avant de commencer. Donc vous allez faire d'abord la langue avant de pouvoir commencer. Voilà. Donc ici on va sélectionner le fichier. Voilà, ça nous envoie directement dans notre ordinateur. Comme ça, pour qu'on puisse choisir notre fichier, le fichier doit faire un maximum de 39 mégabits, vous voyez là. Voilà, donc je vais chercher le fichier comme ça. Ok, je vais prendre un fichier comme ça, pas forcément le fichier qu'il faut. Voilà, je vais prendre par exemple ce fichier là. Ok, et arrivé là, vous cliquez sur maintenant upload, ça va télécharger le fichier. Voilà, ça finit de télécharger. Si vous voulez enlever le fichier, vous n'avez qu'à cliquer sur remote et puis ça va enlever. Ici, do you have a disability specific learning difficult? Non. Voilà. Ok, donc une fois que vous finissez, vous cliquez sur next, comme ça. Ok, donc si vous cliquez sur next, vous allez d'abord cocher I agree to the term and condition. Please click submit and ok. Donc ici, je vais mettre agree. Et lorsque vous finissez, vous allez faire quoi? I'm not a robot. Vous allez cliquer là aussi. Et quand vous finissez maintenant, vous cliquez sur Submit Application. Et ça envoie l'application. Donc ici, vous voyez là, your application number. In favor, please quote this number so you can assist for you. You can assist you more quickly. Ok. Donc, une fois que c'est fini, vous allez vérifier par exemple comme ça dans votre boîte mail. Ils vont vous envoyer un message. Voilà. Ici,
Par exemple, on dit quoi? A member of the international school international admission team will be in contact with you within 2 or 3 working days. Please note, wait time can be longer at this time of here due to the increasing volume of application. Ok, donc on dit dans 2 ou 3 jours comme ça, il y aura quelqu'un qui va vous écrire, voilà, qui sera en contact avec vous pour vous parler un peu de comment est-ce que ça va fonctionner et tout, tout, tout. Et on vous demande comme ça de patienter un peu parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont postulé, voilà. In the meantime, if you require immediately assistance, please contact a member of the international admission tool. You can also learn about your chosen faculty or get to know some of our staff. Donc, dans 2 ou 3 jours, voilà, ils vont vous contacter et puis ils vont discuter avec vous de comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir apprendre la langue et comment est-ce que vous devez payer votre paiement, comment est-ce que vous allez payer votre fils, voilà. Votre fils sort pour pouvoir avoir l'admission et tout ça. Quand il dit fils, c'est par rapport aux frais. Voilà, aux frais d'admission et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Je répète encore pour ceux qui pensent qui cherchent comme ça des bourses totalement financées. Ça, c'est pas pour vous. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment une admission pour aller étudier. Mais en même temps qu'ils partent pour l'admission, ils ont au moins des réductions sur les frais de scolarité. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. A plus les gars.